Bon, pour expliquer un petit peu la situation, j'attendais un peu, mais voilà. Comme d'habitude, tu sais, hein, y a des fois, je suis à Puerto Vallarta. Et des fois, je suis. Enfin, majoritairement, la plupart du temps, je suis à Puerto Vallarta. Et des fois, je suis à Guadalajara. Et actuellement, je suis donc à Guadalajara. Voilà, donc c'est pour ça que. Oula, attends. J'aurais dû prendre un petit drop plus tranquillou pour commencer. Ah putain, j'avais pas d'armure. Il avait une T3 l'enculé dès le début comme ça. Attends, il est. Attends, je vais voir la killcam quand même. Je vais voir la killcam. T'as le mec, il arrive, il a quand même 200 HP et une T3 quoi. Non mais il a sucé, c'est pas possible. Let's go. Ah bah voilà, bah Néo il est là. Ah bah écoute, vas-y copain. Bonjour à tous. Et bonjour Néo, comment vas-tu? Ça va super et toi mec? Eh bah tranquillou. Allez, let's go! Let's go! Pour faire des top 1? Eh oui! Allez, go faire des top 1, mec! Allez! Allez, on va essayer de faire ça bien! Allez, stand de tir ou quoi? Allez, stand de tir! Ok. Je sais pas s'il y a des mecs avec nous. Bah, sûrement, j'imagine. Je crois, ouais. Ouais, bah 100%, ouais. J'entends un capteur. Ils sont américains, non? Enfin, dans le bâtiment américain. Je suis pas. Non, ils sont là au mid. Touché deux fois, trois fois. Il est là sur le petit bâtiment rouge, je l'ai touché un peu. Ah, il m'a mis à terre. Il va venir me finir. Relocation to indicated safe zone is advised. Il est passé à côté de moi? Il est là devant moi. Oh. Ah, il est con ce type. Putain. Eh, je te jure le tout ce qui est mog sniper et tout, ça va être compliqué pour moi avec ce ping. Je sais pas. Genre putain. Ouais. J'étais pas bien là. Ce que tu veux. Ah bah y'a une T2 toute neuve. N'oublie pas que Sky a sûrement parlé de son paladin. Non mais oui je sais mais il a jamais retrouvé hein. Il a eu le temps de bah, hey renfort qui sort, il a pas trouvé. Non, c'est étrange hein. C'est étrange. Mais bon, il y a des trucs comme ça des fois qui se passent dans la vie. Ça me fait bizarre, c'est comme de jouer là. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. C'est pas le même écran, c'est pas. Ouais. Du coup on allait checker si le. Tu sais, l'aide pour les bas niveaux était vraie. Du coup, on a créé un nouveau compte. On était niveau 0, quoi. Ouais. Mais mec. Oh, mais on éclatait tout le monde et on mourait jamais. Genre, des fois, on prenait des rafales dans la bouche. Mais elle nous faisait pas mal, tu sais. Donc, tu veux. C'était choquant. Blackout sur Blackout, gros. Genre, c'est. Tu sais, genre, j'ai remarqué que des fois, je me fais laser par des mecs. Que moi-même, j'ai laser, mais ils sont pas tombés, tu vois. Et avec Kigun, vu qu'on joue longtemps, tu sais, on joue à ça tous les jours pendant des heures, quoi. On a remarqué que c'était bizarre. Et à chaque fois, quand on se faisait laser, c'était par des petits niveaux comme ça. Donc on a testé. Et hier, on était intuable. D'accord. Donc c'est une réalité en fait, alors. Ah, c'est une réalité. Genre, tu sais, toi tu connais Ralid. Ah, y'a des mecs devant nous. Où ça? Ralid, là, devant nous au bâtiment. Bâtiment de droite. Il a une nez dans la main, fais gaffe. Ah, d'accord. Il l'a plus dans la main la nade, elle est arrivée sur moi. Ah la nade elle est violente. Putain j'ai été protégé par le ballot de paille quoi. Ça a abusé le nombre de blocs. Mais en fait, c'est quoi, y a pas de skill-based matchmaking mais il y a une aide pour les petits. C'est ça, pour les plus nuls en fait. Et genre Rally l'avait prouvé et gros il lui tirait avec une. Non il se faisait. Il courait tu vois, donc quand un mec court, tu sais, vu qu'il y a le travel time et tout, tu dois tirer devant lui tu vois. Le mec n'avait pas de travel time, pas de bullet drop, il tirait limite derrière le mec, enfin derrière lui en gros, et à la cordite, à une distance incroyable, tu vois, alors que la cordite c'est une SMG tu vois. Il s'est fait défoncer. Donc depuis là moi j'ai eu mes soupçons, tu vois, donc je disais à peu rien. Et puis après j'ai commencé à tester moi-même et aïe hein. C'est ouf ça. Ça fait peur hein. À la gare ou quoi? Ouais. Je sais pas s'il y a des mecs, je t'ai pas regardé.
Moi non plus, j'ai pas regardé. Ah. Ouais, y'a des mecs. Je crois que oui. Hein. Après vérification auditive, je crois que oui. Ouais, mais ils vont être de l'autre côté quoi. Ils sont derrière l'entrepôt. Bah vas-y. Sans on va faire le fight, on va y aller. Hein. Carry me. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Ça va être seul, il est mort. Il était solo. Il avait pas de friends. Le pauvre, il a dû galérer à rester en vie pour qu'au final il meure. Ouais, ça y est, enfin je les ai tous butés. Ah merde. Mais combien de fois ça nous arrive de toute façon? Ah, c'est trop chiant. Tu galères à survivre, etc. Tu butes tout le monde et. Et pas là-bas, il y a un gars qui arrive. Ah, en fait, si tu trouves un paladin, c'est peut-être le mien. Je l'ai perdu. Encore. Mmh. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, la gars, il y a soit le paladin, soit la T3 à chaque fois. C'est vrai que. Mais même des fois, ça arrive qu'il y ait 2-3 T3 quoi. La gare, ça, généralement, en termes de loot, c'est pas mal. Continue. Je lui baisse sa mère. Il se casse, je crois. Ouais, il a eu peur. Là, j'ai dit, je lui baisse sa mère, il s'est barré, tu penses? Ah ouais. Ah non les gars. Hop, oh là. Attends, mais j'ai un dart là, je peux niquer l'hélicoptère avec ça. Non, je pense pas. Tu es sérieux? Bah déjà il va aller trop. Tu sais, s'il est trop loin de toi, ça va se casser ce truc là. Ah. Ah, c'est un river fan ça. Ah, il est derrière le caillou, il se barre. Ouais, t'es mort. Tu t'en vas pas, gamin, tu t'en vas pas! Tu m'appartiens, ton petit cul est à moi! Bon, ça a mis un peu de temps avant d'arriver le kill, mais. On l'a eu. Oh! Je l'ai retrouvé! Mon paladin! Tu as dit quoi? Je l'ai retrouvé, mon paladin, ça y est. Ah, bah oui, c'est bon en fait, c'est bon, enfin! Bon, bah écoute, j'ai mon petit paladin! Ça y est, enfin! Oui! Ok, ah, tu veux. Ah! Attends, parce qu'il y a mon fils qui me prend la température. Quelle température je fais? 0 degré? Ah bah dis donc, je vais mourir. T'as des gars devant toi ou quoi? Ah ouais, ils sont dans la maison. La grosse? Ah ouais, je vois. Ah, il y en a un qui est sous le plafond, enfin sous le... Dans le grenier, ouais. Dans le grenier, et un dans le premier étage. Le premier étage, il est mort. Et l'autre aussi. Ah, Néo. Et j'ai un paladin aussi, mon pote. Ah bah voilà! Celui-là, c'est attention. Le tien. Oh, je lui ai mis une balle de paladin. Il s'est pris une balle de paladin. Oh. On met qu'en bas ou en haut? En bas, en bas. Ah ouais, là-bas, ok. Histoire de le calmer un petit peu les ardeurs. L'autre, il me défonce. Et l'autre avec son hélico, il en peut plus. De toute façon, on monte. Hein. Faut aller dans la zone. Va dans la zone. Ouais. Go zone, on verra après. Putain, la zone, gars. C'est quoi cette zone? Oh mon dieu, la gueule. Ah, puis en plus, dans les petites maisons, tu sens la campouille. J'ai encore touché un hein, des deux là qui s'est barré. Ouais, mais en plus, de toute façon, la zone est loin donc ils vont devoir arriver. Hein. Il y a deux gars devant en plus donc vas-y, viens. On rebombarde. Oh! Attends, en plus, regarde! Il est parti dans le buisson allongé! Ah, le filou! Le mec, je l'ai vu en train de ramper dans le buisson, il était là allongé! Quelle grosse merde! Tu l'as tué? Non, j'ai juste touché en fait. Oh, tu sais, le paladin, c'est. Faut mettre dans la tête hein, pour one shot. Hein. Oh, y'a des gars devant moi! Devant toi, direction devant. Nord, ouais. La galère là. Devant toi, il est collé devant toi. Oh! Joué. Oh le petit quick! Oh, le ah ouais! C'est une. Putain, ult une fois. À mort! Sur le toit, il y en a un encore. Nice. Ouais. C'est barré. T'as un détecteur ou un truc? Non.
En haut, en haut. Terre. Bien joué. T'as eu son pote ou quoi? Non, tu l'as fini? Bah il était pas à terre, il est mort direct. Ah d'accord, ok. Ah l'autre que j'ai mis le headshot alors j'ai juste mis à terre en fait. Ah ouais, non, il a pas le temps de rien. Ah y'a un pas là. La colline après. De toute façon y a pas des grenades ou quoi. Putain, je fais que tuer des mecs, ils font que se faire finir par d'autres gars. Faudrait que tu sortes vite là. C'est le bordel au-dessus de nous. Okay. C'est en nord-ouest, 327. Ok, j'arrive. Bon. C'est pas évident. Encore dans l'hélico. Pas évident parce que j'ai un ping assez élevé là du coup, mais ça va encore. Je suis quand même. Mais mec, t'as mis un coup de scope au gars là. Ouais, mais j'ai pas. Il était devant moi en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit devant moi, j'ai juste tiré au hasard quoi. What? C'est toi qui as mis une mine là, sur la colline, là, il a... Non. Gaffe, j'ai entendu une. Ah, je suis toi. J'ai mis un mec KO en haut là. Ok. Ah oui, il a fumé. Faudrait qu'on y aille maintenant. Ok. Tu veux. Attends, je mets un dart si tu non. Vas-y, ouais. Il a été réanimé, putain. J'ai bien touché, mais. Merde. J'ai eu mon kill, donc le mec est tout seul devant toi. J'essaie de ramper à la mort. Vas-y, viens. Scène fumée. Non. Bien joué. Franchement, c'était un peu malaisant. J'ai usé un chargeur pour le type, mais avec la. Oh, Dame, non. Oh, regarde le mec où il est. C'était lui, je suis sûr. Tout à l'heure, j'ai entendu, non? Ah oui, mais tout. Attends, sur le mec t'as tué. Regarde, il était dans le. Moi, je suis sur lui là. Je suis sûr, c'était lui tout à l'heure. Il est dans le buisson. Il est vraiment. Il lèche la zone, le gars. Il lèche la zone. Tu sens le. Il avait des mines. Je suis sûr, mais je suis sûr. Il a une. Il a une sale mine. C'est lui. Et du coup, bon, on va se faire une petite solo. Oh, mais non. Voilà. Voilà. Pas fait exprès de tomber, hein. Let the games begin. Ah putain. Il s'est fait niquer juste derrière.